Buonasera e ben ritrovati. Oggi sono davvero molto emozionata e onorata di potervi presentare Tahar Ben Jalloun. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Bonjour. Merci, bonsoir, bonjour. Bonsoir. E ringrazio anche Paola Romeri Bonazzi, presidente del Rotary Club Bormio Contea, di averci permesso di incontrare una delle voci più autorevoli della letteratura attuale che ci può parlare, raccontare, spiegare che cosa significa oggi la convivenza, che cosa significa oggi il termine razzismo, ma non solo. È venuto in Valtellina in occasione di questo evento della Milanesiana, la sua prima volta qui. Che cosa ha pensato quando l'hanno invitata a salire, insomma, in montagna per questo evento? Ah, mais c'était pour moi une surprise et une bonne surprise parce que je ne connaissais pas du tout la région. J'avais entendu parler de Bornéo pour ses thermes et les gens qui venaient pour se soigner. Et là, j'ai vu, c'est magnifique, c'est très beau. Come ha interpretato il messaggio che la Milanesiana quest'anno ha voluto lanciare? Paura e coraggio. Quale artista e perché ha scelto di raccontare? Ben, c'est vrai, nous vivons une époque assez trouble où la peur est devenue quotidienne parce que c'est une peur qui est causée par un ennemi invisible qu'on ne connaît pas et qui fait le malheur quand il veut. Alors il y a effectivement une peur diffuse comme ça dans la société, pas uniquement en Occident, dans les pays arabes, dans les pays musulmans, partout, partout. En Afghanistan, Pakistan, en Inde, en Afrique, partout, ils sont maintenant, c'est une terreur, une vraie terreur, parce que on n'arrive pas à lutter contre ça tant qu'on a peur. Mais il faut aussi se battre, c'est pour ça qu'il faut du courage. Donc il faut réfléchir à cette nouvelle forme de terreur. Le monde a connu d'autres, hein. Bien pire. Il ne faut pas exagérer parce que quand même, ce qu'ont connu nos grands-parents avec la Shoah, avec l'extermination des Juifs, des Tziganes, des handicapés par le nazisme, vous savez, c'était énorme. C'est quelque chose qui n'a pas de... Il ne faut pas oublier ça. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on a des actes isolés, mais quand même qui sèment la peur et la panique. Forme di razzismo che trovano similitudini con quello che è stato la Shoah, oppure è qualcosa di diverso? Non, de toute façon, le racisme a toujours existé. C'est une habitude humaine. Les humains ont toujours eu ce rejet de ce qu'ils ne connaissent pas, de ce dont ils ont peur. Et tout. Ça a toujours existé. Mais il arrive des moments où le racisme devient une idéologie, une stratégie pour éliminer les autres. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Et c'est pour ça que moi, je vais dans les écoles pour alerter les enfants dès très, très, très petits contre cette tendance de faire penser que être blanc, c'est meilleur que d'être noir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aux enfants. J'ai vu l'autre jour dans un film sur le racisme, dans les années 50, il n'y a pas longtemps, il y a 60 ans, une publicité française pour un savon. Et on voit un noir en train de se laver avec le savon. Là où passe le savon, la peau devient blanche. Ça veut dire que le noir est sale. C'est pas une couleur, c'est une saleté. Et cette publicité qui a existé projetée dans les cinémas, dans les affiches et tout, c'est quand même une des publicités les plus horribles que j'ai vues qui supportent le racisme. Il n'y a pas que le fait des paroles, il y a aussi ce sujet symbolique, le fait de se laver avec un savon X, ça va vous enlever la couleur noire qui est une saleté. Et ça, c'est le racisme pur. Et ça a existé. Donc, évidemment, aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire. Mais si aujourd'hui, on ne le fait pas, c'est parce que justement, il y a eu des réactions.
On a évolué. Aujourd'hui, il y a des lois contre le racisme, aussi bien en France qu'en Italie, partout. On lutte, mais ça ne suffit pas. In realtà, nelle varie forme di razzismo a cui ci siamo dovuti abituare, che forse anche inconsapevolmente manifestiamo, si nota come non sia sempre il colore della pelle a creare distacco, a creare il vuoto tra le persone, ma sia lo stato sociale delle persone. Per cui se le persone di colore sono ricche, sono accettate, anzi osannate, se queste invece sono povere, vengono emarginate. Oui, enfin, apparemment ceux qui sont riches, comme d'ailleurs les Arabes du Golfe, quand ils viennent en Europe, sont reçus d'une manière formidable, parce qu'on espère leur tirer de l'argent. Donc c'est une attitude encore plus raciste que l'autre. C'est-à-dire qu'il faut traiter tout le monde de la même manière. Qu'il ait de l'argent ou pas, il faut le traiter humainement, dignement. C'est tout. On ne demande pas un traitement particulier pour tel ou tel. C'est-à-dire que c'est exactement comme dans un hôtel, vous avez une clientèle, il y en a qui sont jaunes, blancs, rouges, pas moi, indiens, ou qui ont des moyens, qui n'ont pas de moyens, enfin bref. Il faut les traiter tout le monde sur le même pied d'égalité, c'est ça la réalité. Or, on l'a vu en France, je crois l'année dernière, ou il y a 2 ans, le roi d'Arabie est venu s'installer dans son château, je ne sais pas où, en France. Et il y a eu des problèmes parce que, je ne sais pas, il y a eu des problèmes, il a dû partir. Et les commerçants ont manifesté. Il dit pour une fois qu'un arabe va nous laisser de l'argent, vous l'avez chassé. Donc, vous voyez un peu comment on est perçu. On est perçu non pas selon ce qu'on fait, mais seulement ce qu'on apparaît. On apparaît avec un statut de roi, donc d'homme riche, avec tous les fantasmes de la richesse liés au pétrole et tout. Donc, c'est toujours du racisme. Je pense que l'éducation doit faire encore un peu plus d'efforts dans les écoles pour expliquer cela. Et la même chose aux États-Unis, vous savez très bien, qui ont vraiment souffert d'une manière énorme du racisme, de la discrimination. Jusqu'en 1963, les Noirs n'avaient pas le droit de monter dans un même autobus. Que les Blancs n'avaient pas le droit de rentrer dans une piscine, etc. Tout ça en 1963, il n'y a pas longtemps, c'est rien. Eh bien, la classe sociale qui a fait de l'argent parmi les Noirs, elle a développé un autre racisme, un racisme anti-blanc, parce qu'il y a comme un balancier. Donc, vous savez, l'être humain est le même. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est bon. On n'est pas blanc, on est mauvais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a... C'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que ça prouve combien la couleur n'a pas de sens, est insignifiante. C'est pas la couleur qui décide le comportement des gens, c'est ce qu'ils sont, leur histoire. Évidemment, quand on lit l'histoire de l'esclavage des Noirs à travers les siècles, ouf, c'est difficile à vivre ça aujourd'hui. Mais il faut être digne, il faut être plus généreux et ne pas répéter ce que les autres ont fait. È molto importante sapere cosa spiegare ai figli, come lei ha fatto anche in questi 2 libri che ha scritto, Il razzismo spiegato a mia figlia, ma anche Il terrorismo spiegato ai miei figli. Non è semplice da spiegare. No, il terrorismo è il più difficile perché è un concetto molto molto complesso e difficile a parlare con un ragazzo che non comprende la significazione di questi gesti criminali. Ma il razzismo è più generale, il terrorismo è un caso più violento e terribile perché l'assassinato è criminale. Allora io ho detto che dobbiamo parlare con la verità. Et pareil, quand les ragazzi, quand les rient les paroles les plus justes pour parler avec loro, et non faire la mentira, devait dire la vérité. Le con psicologia, con un po' di filosofia, et dire que le monde est violento. Bah, le monde non è una cosa bellissima sempre. C'è
qualcuno di giovane o la violenza è più importante che l'amore o che la tranquillità e la pace. Secondo lei, se i paesi europei si ritirassero dalle guerre, si potrebbe in qualche modo risolvere la questione? No, i paesi europei sono svegliati di nemico, perché il problema è più complesso, perché c'è il problema della, dell'Stato islamico, pseudo-Stato islamico, che c'è una guerra con bombardamento e tutto, ma il problema è dentro della società europea, dove ci sono giovani che fanno il crimine perché per molte ragioni, non una sola ragione. È molto difficile di lottare contro il terrorismo in Europa, molto difficile. Terrorismo e Islam spesso vengono associati. No, l'Islam è una cosa altra, perché l'Islam è una religione monoteista come il cattolico, e che l'Islam non è responsabile della maniera di essere utilizzato per gli altri. L'Islam, nessuna parola in Islam che dice va a uccidere gli altri, no, non esiste, no. Ma i criminali utilizzano l'Islam sin vergogna. Perché gli attacchi tutti alla Francia o all'Inghilterra? No, perché c'è in Francia, in Inghilterra, anche in Spagna, in tedeschi, c'è una popolazione musulmana, ma l'ISIS pensa che deve fare la vendetta contro l'Occidente. C'è un programma terribile e senza logica. Lei ha scritto un saggio sulla sessualità e l'islamismo. È un tabù? Con tutte le religioni c'è un tabù con la sessualità, anche nei cristiani, no? Non si parla di sessualità, ma non è un problema nuovo, da sempre. Però lei ha scritto un romanzo molto particolare, Amir, la storia di Amir. Ah, il matrimonio di piacere, sì. Sì. È una storia un po' speciale, su un libro di amore e anche un libro di lotta contro il razzismo nero in Marocco. Che esiste. Lei viene da Fez, una città meravigliosa. Sì, 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 sì. Come mai Fez è una città così colta anche, dove... Sì, ma c'è un razzismo contro le neri, perché prima, molti anni fa, i borghesi ricchi fanno il viaggio al Senegal o al Mali e prendono una donna nera per l'esistenza sessuale. Una slave sessuale, ma di lontano, sì, di anni 40, 40, 50 massimo. Per finire, per avere rispetto bisogna rispettare le persone, per ricevere rispetto bisogna dare rispetto. È normale, è una regola di base, il rispetto è mutuale. Non sempre così, l'uomo è fragile. Fra lui ovviamente, dipende, ma insegnando a suoi figli il rispetto è importantissimo, perché sin rispetto la vita è una vita selvaggia. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Grazie.